écoutez Koé, c'est bien, le voir, c'est mieux. Ouais. Les gars, avant de se dire au revoir tout à l'heure et avant de vous laisser pour tous les concerts et tout, voici, puisque c'est vrai qu'on a fait pas mal de vannes dans cette émission, voici le panier de la vengeance. Ouais, qu'est-ce que le panier de la vengeance ? C'est une série de phrases et de saloperies sur tous les membres de cette équipe. Ah bon ? Et vous vous faites plaisir, il y en a pour tout le monde. Vous les lisez tous. Et moi, j'ai jamais dit de mal. Moi non plus. Hein. Arrêtez, les amis. Tout le monde vous a mis cher. J'étais la seule à les défendre. Les mecs, on n'a pas mis cher. Arrêtez vos conneries. Non, mais ça, c'était juste surtout Jérémy. Chacun votre tour, vous prenez un petit papier. Vous prenez votre temps. Allez-y, faites-vous plaisir. Il y a les noms à chaque fois à qui vous vous adressez. Allez-y, sans problème. Bien sûr, ça tombe. Voici le panier de la vengeance. Il y a les noms avec. Non, il n'y a pas. Oui, si. Allez, vas-y. Allez, on y va. Allez, lisons une. Piètre. Oui. Piètre, il mérite. Piètre. Moi, je mérite pas. Je vous défends tout le temps. Je te vendrais bien une planche de surf, mais vu ton âge, tu tiendrais pas dessus. Excellent. Suivant. Magnifique. Pour Julie, j'ai l'impression. Mettez le papier à côté. Voilà. Julie. Arrête de nous chauffer par message privé, on sait que tu t'es tapé tout le cap ferré. C'est tellement pas vrai. Quand tu veux, je te réchauffe, ma gueule. Remets pas dedans, non. Ça, ça c'est moche. Allez-y. Vous avez le droit, vous avez le droit. Vous avez le droit. Marion. Non. Oh, bah ouais, c'est dur. T'as le cul tellement bas que quand tu pètes, ça fait des ronds dans le sable. Mais on dirait presque une chanson. On dirait presque une chanson. Quand tu pètes, ça fait des ronds dans le sable. Merci. Attention. Allez les gars, faites-vous plaisir. C'est kiffez. Jérémy en plus, donc tu l'as fait. Qui fait ce moment? Vas-y, fais-toi allez-y. Plaisir. Vas-y. Allez. Jérémy, je sais que tu mets des pétés à maman, mais visiblement tu défonces aussi les steaks frites. Ah ouais, là, c'est horrible. C'est méchant. J'accepte, allez. Je suis désolé. Mais c'est pas faux. En plus. Non. Allez, allez. On continue. Ah, j'en ai une. On va tous manger. Ouais. J'en ai une. J'en ai une. Allez, Koé. Ah. Je sais que tu viens du Nord. C'est vrai que ta sœur, c'est aussi ta mère. Oh. Pourquoi ça te fait pas rire? Alors, du coup. Elle est bonne. Je comprends pas pourquoi tu rigoles pas. Elle est bonne. Continuez, les gars. Vous ne laissez pas impressionner. C'est vrai, vous laissez pas impressionner. Continuez. Quoi? Il va le sortir, il va le sortir. Toi, quand t'auras ton César, on en parlera. Bim. Vas-y, à toi. Moi, tu me regardes plus. Mais si tu quittes maman, on est quand même frère et sœur ou pas? On continue. L'été au Cap Ferré, il y a le cul de Julie qui cache la dune du Pilat. C'est drôle. On a rien dit, nous. Elle est déforme. Allez, on continue. C'est quoi? Vas-y. Ça le fait rire en tout cas. Oui. Koé, tu sais que j'ai plus de poils aux fesses que tu en as sur la tête. Alors, fallait pas tirer ça de là, je crois. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y en a encore une ou deux. Il est rasé en ce moment. Alors. Pietre, ouais. C'est un cheveu sur la langue que tu as ou un poil de cul? Voilà. Alors, et il en reste une. Guiguette, il manquait Guiguette. Ça me fait rire, ça a l'air tarba. Qui c'est qui a écrit Guiguette, tout ça quand même? Ta mère, elle a couché avec un cheval ou quoi? C'est quoi ses dents? Est-ce que ça vous va ou pas? Est-ce qu'on a remis les compteurs à zéro ou pas? C'était un peu méchant. Je sais pas si méritait ça. Nous, on n'a pas été comme ça. Non, je pense pas. À part Jérémy, peut-être. À part Jérémy. Ah, excusez-moi. Elle est efficace, moi, je l'aime bien et pourtant, ça fait pas très fan de ce titre. T'aimais mieux l'autre? Non plus. C'est du trafic, c'est du trafic. La question la plus importante, as-tu changé d'avis? Oui. Ils sont très très sympas en tout cas. En tout cas. Je rigole. Non, mais ils ont beaucoup de talent. Et en déjà tout dit cas, ça, les gars, je vous souhaite beaucoup de courage pour tout, beaucoup de courage merci pour tout ce qui va arriver. Merci. Et allez les voir dans toute la France et au Zénith le 7 mai. Les frérots de la Vegas avec nous, merci les gars. Merci. Bon, bah.